ce n'est pas une ville. Ni un village. Ni la campagne. Juste un dortoir au milieu d'une usine noire et vide. Sont restés les fous, les vieux, les laissés pour compte. Au bar du café des sportifs, ils ressassent la splendeur des années d'or. Ce n'est pas des étudiants chevelus, des freluquets qu'il faut sortir d'une classe. C'est des mineurs de fond. Et le fond, ils l'occupent depuis 3 semaines. Le sous-préfet a ordonné la libération de l'outil de travail. Depuis, les CRS courent. Les CRS se perdent dans les galeries. Leurs beaux habits bleus tournent au jaune, la couleur qui leur sied. Les hommes qu'ils ont en face regardent chaque jour la mort dans le blanc des yeux. Les lacrymogènes les font rire, eux qui respirent de la poussière. Ils ripostent avec des détonateurs alors. Les CRS courent. Les boucliers ne font pas le poids devant une baramine de bouts de feu. Alors les CRS courent. Les escadrons bien en rang dans une galerie voient arriver la Joy, monstre à deux pinces qui va les avaler alors. Les CRS courent. En sens opposé. Regrettant le jour où ils se sont engagés pour casser du bougnon. Comment vous s'appelle ? Il demande au jeune homme. Séraphin. Comment ? Ça fait rien. La plus jeune de ses filles venait de lui présenter son fiancé. Moustache à la Adolphe, grand, sec et nerveux, venu du nord de la Pologne, débarqué en 28 avec femme et enfant pour s'installer dans une baraque de chantier aux abords de l'usine. Il est garde au portail maintenant, fier dans son uniforme. Avec son grand copain, ils picolent ferme, refont le monde, vont pisser de part et d'autre de l'arbre derrière la maison. S'engueulent dès qu'ils abordent la guerre, se séparent à jamais et remettent ça le lendemain soir. Un jour, quelqu'un a coupé l'arbre. Dans leur cuite, ils ne s'en sont pas aperçus.
C'est vrai qu'ils avaient la pente raide, les anciens. Jeudi matin, on sonne. Je cours. J'ouvre la porte. Une vision fantastique. De caoutchouc noir à coque rugueuse et liseré rouge. Un bleu gondolé, maculé de terre jaune. Un ciré jaune sur un pull en laine rêche. La lampe à carbure à la ceinture. Un casque coiffé d'un déflecteur. Sur un visage jaune, souriant, comme un masque de guerre. Je reste quoi ? Bouche bée. Puis je reconnais les mains. Ces mains de pierre qui me décoiffaient. Ces mains qui brisaient une noix de l'index. Ces mains qui me coupaient le souffle d'un doigt baramine dans les côtes. Il était remonté du fond pour venir chercher la paste à chute pour ses camarades en grève. Je ne l'avais jamais vu en habit de travail.